topesi basantu nyonso mbote na nkombo na Yesu tika ete kimia na kolo nzambe mpe bolingo na ye ezala likolo ya moko na moko que le seigneur vous bénisse que le seigneur vous soit favorable par la grâce de dieu toujours continuer notre enseignement sur le parabole nzambe azala lokumu lelo tokomi na 4e parabole toza kolobela parabole ya levain ya le levain de la femme. Que le Seigneur vous bénisse. Tout bon délit, Seigneur, tout péché, merci pour ce temps. Zolokoum, parce que tu nous agrées encore dans ta présence. Merci pour tout ce péché, surtout salé la yo. Namoukoula lelo. Te recommander tant qu'on a salou beaucoup na yo. Celle yo nous a l'enseigné. Autour de ma moto qui t'a béni ce temps. Tout l'imo yo monana. Marche avec nous, glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Paix sa compréhension à peuple et nos côtés sur Rolanda. Yesu Christ, auditeur, nous comprenons. Amen. Tosui, Matthieu, chapitre 13, verset 33e. Matthieu, chapitre 13, verset 33e. Totangi, et comment me boye? Il leur dit cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à des levains qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Voilà. Dans la Bible, a bazo lobela une femme, mais kuna likolo ba lobela ki un homme. Seigneur toye bakia na Bible nzambe azalaka mama, nzambe azalaka papa. Nyoso lobela kae ezana batango azwaka forme ya mobali, ezapi na tango oyo azwaka forme ya mwasi. Pour ce qu'on suit, Esaïe 45, verset 9. Le lobby, malheur à qui conteste avec son créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Est ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Et ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son créateur. Fais-toi me questionner sur l'avenir. Voilà. Ah, le Seigneur, ce que l'on dit, nous avons dit, dans le verset 9, nous avons dit, nous avons dit, nous créateur dit, nous avons dit, à se comparer à potier. Parce que nous avons dit, vase, nous avons dit, potier. Donc, l'Éternel, le créateur, c'est un potier. À qui dit, ce qu'on a verset 10, à se comparer à un père, à se comparer à une mère. C'est pour dire que l'Éternel, Yemoko azalaka papa, yemoko pe azalaka mama. Voilà, kolesu a pambola biso. Maintenant, batali sa biso wabi ke, cette femme c'est Dieu lui-même, hein? Moi, je suis Nzambe yemoko. Batali sa biso, koloba ke, yakina moi si moko, achaki 3 mesures. S'il vous plaît, achaki 3 mesures. L'écriture en haut, il avait une femme. Ok. Ache 3 mesures de farine. Ndako kamata levain. Akoya kutia na kati. Po eya na kotombola yango. C'est le dictionnaire. Baba ke le levain. Eza morceau de pâte aigri. On a c'est le dictionnaire qui mêlé à la pâte dont on veut faire du pain. C'est aussi une substance. Hein, ou fermenté capable de produire une fermentation interne dans le corps avec lequel on l'a mêlé. Voilà, selon dictionnaire. Mais il faut que vous ayez dans le temps, vous avez l'exemple de Mikate, vous avez la mapa, vous avez le levain, vous avez le fermenter le vin, et une pâte, puis vous avez la pâte, pâte, vous avez le. Voilà. C'est pour dire que ceux qui battent dans le levain, pas te tombe à maté, mais ceux qui battent le levain, le levain zoya pour étombe la pâte. Et quand la pâte, étombe la pâte, pas te comme un nain. Dans la Bible, il faut que le levain ait une explication et belle. Dans la Bible. Ce que tu as vu, un Corinthien, parce que le levain est par la paix sur le péché, un Corinthien, chapitre 5, verset 6, 7, 8. C'est bien tort que vous vous glorifiez,
Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Ici, levain, Isaac a parlé sur la vie du péché. Hein? Les vins awa, ils ont symbolisé le péché. Donc aujourd'hui, ils ont le sous-temps, il y a le sous-mouté, le vieil levain, c'est ça le péché. Et on remarque, nous avons vu ça, Israël, Exode chapitre 13, verset 6 à 7, Salobi. Exode 13, 6 à 7. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levain et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Vous allez qu'il a fait des pains sans levain après la Pâque. Donc Pâque et Salami, après 7 jours, on a la fête des pains sans levain. La Pâque, c'est ça la mort de Jésus-Christ. Donc on va faire la croix de gloire, c'est ça la Pâque. Les 7 jours, aux Islandais, c'est comme fête à pain sans levain. C'est ça aussi le temps de cette église d'Asie mineure. C'est ça le temps de la grâce. Dans cette église d'Asie mineure, le temps de la grâce. Oyo, Bible lobi, bakoku ta levente. Bible zoloba, on mangera des pains sans levain. Pains sans levain, les enseignements. Il y a Christ et l'enseignement. Puis, tu vois, puis dans le levain, wana, le deuxième aspect. Pendant 7 jours, il y a un pain sans levain, un enseignement pur. Pendant 7 jours, c'est ça le temps de la grâce. On ne verra point chez toi de pain levain. Pendant mon ali par levain, on aura un enseignement pur. Et on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Donc, dans le cas de Mboka, dans le cas de Nabiso, le pays dont on parle ici, c'est l'église. Obaokuta li soumonté. Voilà. Wana topesi levain comme le péché. Mais attention, le levain et le belakaka, si le péché était. Saut aussi Matthieu chapitre 16. Tobanina verset 6, Tokitinaya 12. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus les a connus, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi? Si c'est que vous n'avez pas pris de pain, êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains de 5 000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Et les 7 pains de 4 000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportées? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Voilà, que le Seigneur nous bénisse à l'écriture. Ici, les levains ont parlé sur les faux enseignements. Le vin. Il y a un temps où la sakuna na fête à Babi Barolia, le pain sans levain. Cela veut dire, Ezali Paoyo, c'est l'enseignement pur, c'est l'enseignement où ils ont mélangé na l'enseignement ya mabete. Vous voyez? Voilà. Les enseignements où ils ont mélangé na l'enseignement ya mabete. Donc, le levain et le belaka sur le péché. Élever et l'obéir à sur le faux enseignement. Mais na aspect autozo loba awa, une femme aux trois pattes, tant aux trois pattes, à kokamata, où ils allient lever à kuchana kati, de lever et kuvimbisa, lever kuvimbisa, où ils allient pattes, fatte comme amunene. Donc ah c'est pour dire que aux salles on peut aller mabilo pour battre balia. Nous avons dit que aussi le temps que pâte que vous allez sans levain, pâte que vous vimbate. Mais pâte pour vimba, il faut levain et kotanakati.
trois mesures, autres expliquant comme la loi, les prophètes et les psaumes. Trois mesures de farine, oyo, tout expliquant comme la loi, les prophètes et les psaumes. Ata yangu kuzana ngundengwana. Mais attention, batu bakuzana makokite, ya ulia mpe kuzala mukie. Metan bakukuka batute, metan bakutia levain, nde kuvimba. Ici, les levains, tous ont comme la grâce. Ici, les levains, tous ont comme le Saint-Esprit. Ici, les levains, tous ont comme l'interprétation des Écritures. Yangu ndezwa po evimbisa. La loi, les prophètes et les psaumes, et kuma ebele. Enfin, que batu balia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, le bil élevé ici, c'est le Saint-Esprit. C'est la grâce, c'est l'interprétation. Aux yeux pour interpréter. Enfin, que la loi, le prophète, le psaume, et comme Aïbélé, c'est ça expliqué. Et là, comme moi, je vous ai expliqué, il y a une facette Aïbélé pour le peuple Alia, Aïbana Koutunda. Il y a beaucoup remarqué, le Seigneur, Batoubako Landae, Batoubako Zananzala. Toluka Nanou, s'il vous plaît. Toluka écriture moko Toluka écriture moko par rapport ya multiplication du pain. Je crois tokosa na mukanda ya matière. S'il vous plaît, tokosa na mukanda ya matière parce que kuna oko remarquer le peuple Balanda qui le Seigneur. Matthieu chapitre Marc 8 verset 1. En ce jour-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et ayant pas de quoi manger. Jésus appela les disciples et leur dit: je suis mis de compassion pour cette foule, car voilà trois jours qu'ils sont près de moi. Ils n'ont rien à manger. Voilà, si je les renvoie chez eux, en gêne, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent: comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu des heures? Jésus leur demanda: combien avez-vous de pain? Voilà. Natiki pensez oyo, s'il vous plaît. Natiki pensez oyo. Nazu pensez moussou. Pour penser oyo, pesant à l'icane ici. Mais n'a pas pensé moussou. N'a pensé oyo moussou, au cours remarqué, il y avait 5 pains et 2 poissons. Matthieu 14, 17. Mais il lui dit: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Voilà. Donc, tout le monde a battu Balanda qui le Seigneur, verset 18. Et il leur dit: on a Matthieu 14, 17 à 19. Et il dit: apportez-les moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et les a levé les yeux vers le ciel. Il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Ah, tout le monde a les pains, sans les vins. Tout le monde a les 5 pains et les 2 poissons. Mais quand le Seigneur a causé en haut, donc les 5 pains et les 2 poissons, il y a ma coquille pour les saper plaider. Mais quand le Seigneur a causé en haut, bonneli, ça lui multiplication, ne va pas si peuple peut pas les peuples qui peut tikali. Donc, et que ce n'était na les vins, il y a moins à moins sur Oyo, à tiens, à 4 à 3 pattes, à 3 mesures de farine. À 3 mesures de farine. Les 5 pays, c'est elle, ça va la loi. Hein, les 5 livres de Moïse, la loi. Les 2 poissons, elle ça va payer les prophètes et les psaumes. Donc, le bigar, la loi, les prophètes et les psaumes. Donc, les 5 pays, c'est la loi. Les 2 poissons, c'est les prophètes et les psaumes. Ou qui n'a ma couquille à rouler sa peuplété. Maintenant, le Seigneur, les lots, a toujours représenté le ministère de la parole. Ou toujours, la loi, les prophètes et les psaumes, tout bon délit. Nakata ko bon délandé, nzamba zo multiplié. Ça veut dire, nakata ko bon délandé, le Saint-Esprit a zo multiplié. Nakata ko bon délandé, interprétation. C'est-à-dire, multiplication, wana, c'est ça l'œuvre de l'interprétation. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Ou a zo multiplié. A zo zo, mais ça va révélation. Nakatia makomi enfin que batu baeba na kolia abondance et bana kotalisama. Et depuis que la loi le prophète le psaume et même abondance te. Mais quand Christ dit que j'étais venu afin que mes brebis aient la vie, pe bazongo na abondance, c'est par rapport au Saint-Esprit, c'est par rapport à la multiplication de la loi, les prophètes
et le psaume, c'est par rapport à l'interprétation. Lorsque nous interprétons, nous avons un lot comme on a un peu de temps, on a un peu de silaté, ils ont changé ma facette, ils ont une couleur rebelle. Un prédicateur peut prendre un enseignement. Moko, na tambo nango pendant 6 mois, pendant une année, à des fois tamsu santé de déranger, nde akoyeba na kokita. Peut-être santé de déranger à Kiti. Vous voyez, santé ko déranger à Kiti, mais il était s'il y était. Quel est selon vous bénisse. Yango ko remarquer na Israël bazo pekisa bango ba kuta ba levain na kata ba ndaku na bango na tango ya peti ya fin sa levain. Mais ko remarquer tokoya et pa ya veva sarepta. On a tout le monde à foufou et à la qui mouquie, hein, mais foufou à neko vimba, et foufou à na et koyeba na roule sabat. Farine de la qui mouquie, farine on neko vimba, et farine ouana et koyeba na roule sabat. Ici, nous disons que la présence aussi d'Elie, Elie, présence naïe, c'est pour dire qu'Elie a de la qui peut tout un levain. Elie a de la qui peut levain mou bimba. Autant qu'on continue à n'en va sarepta. Tout le monde a multiplication, foufou, le feu vimba. Vous allez qui mouquie, il faut y aller. Eli, le véritable Eli, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la grâce, c'est lui le Saint-Esprit. Yende, tangwae, panabiso lelo. Le zomon a le prophète, le psaume, vimbie, comme belé. Touti karoke, la bilo rote, pendant tout le temps de la grâce. Toki Israël, du kodezé à Kokanga, bana bilo à Koliate, mais biso toke, la bilo à Koliate. Parce que Eli, le véritable levain, en zawana, ensemble avec nous, troquer la blé, yakolia te. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, c'est dans le lingue oyonde, par la grâce de Dieu, tout l'imboli oezali, les 23 mesures. Tout ce qui est au résumé pour Nakoloba, cette femme, c'est Dieu lui-même, 3 mesures de farine, c'est la loi, les prophètes et les psaumes, les verwana, c'est la grâce, c'est le Saint-Esprit, c'est la capacité d'interpréter, les osa la ke, biloko vimba, ekoma, ebele. Au peuple alia à qui elle est la thé. Voilà, collé sur Christ, à Pambolabino. Par la grâce de Dieu, tu écoutes la cinquième parabole, continuez de prier pour nous. Tu écoutes la cinquième parabole, on a aussi la parabole de la lampe, au Bachaka, on a essayé à vous sauter. Priez pour nous. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. S'il y a des questions, bah, numéro Nabisho, Ezali, plus 243, 99, 88, 77, 333. Plus 243 84 22 64 114. Si vous avez une question, vous posez. Vous pouvez répondre par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez prochainement. Nous continuons à sur le parabole. Priez pour nous.